Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le Christ, le roi du monde. Christ et roi, deux mots associés et pourtant opposés. En effet, la royauté du Christ, vrai homme, qui a souffert et qui est mort sur la croix, n'est pas évidente. Il n'est pas facile de discerner et elle fait appel à notre foi. D'ailleurs, Jésus nous a prévenus lorsqu'il a affirmé « Ma royauté n'est pas de ce monde ». La royauté de Jésus est une royauté de service et d'amour. Il se trouve que le dimanche où l'Église célèbre le Christ roi est traditionnellement aussi celui où les musiciens et les chorales fêtent leur sainte patronne, Sainte Cécile. Je veux ici leur souhaiter une bonne fête et les remercier pour leur engagement au service de la liturgie. Mais plus largement, je veux aussi remercier les lecteurs liturgiques, sacristains, fleuristes, servants d'autel, qui contribuent chacun à leur place à l'action liturgique, sans oublier les personnes qui s'occupent tout au long de l'année de l'entretien de la maison du Seigneur, afin qu'elle soit belle et accueillante. Chacun de ces services est important et complète les autres. Ils sont comme les pierres précieuses qui ornent la couronne du Christ roi. Je tiens à tous les encourager en cette période de confinement, particulièrement les choristes et les organistes liturgiques, dont le service est mis temporairement entre parenthèses, et les assurer de mon amitié, en espérant que nous pourrons de nouveau nous retrouver bientôt pour célébrer ensemble l'Eucharistie.
nous acclamons ton Fils Jésus comme le roi de nos cœurs. Donne-nous de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a demandé. Nous annoncerons ainsi que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de ses enfants. Que vienne ton royaume de justice et de paix dès aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je
celui de David, notre Père.
L'évangile se terminait ainsi au sujet du serviteur paresseux qui n'avait pas fait fructifier son talent. Jetez-le dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Cela rappelle un peu l'époque où les prédicateurs entretenaient les gens dans la peur, en les menaçant des flammes de l'enfer s'ils s'écartaient du droit chemin. Aujourd'hui, la scène du jugement dernier dans la chapelle Sixtine du Vatican, où représentée sur les cathédrales, fait plutôt sourire. D'ailleurs, qui se soucie encore de son au-delà? En ce moment, en plein confinement, il n'est question d'une seule chose dans les commentaires des journalistes, le Black Friday. Eh bien, c'est précisément dans ce qui fait notre aujourd'hui, souvent marqué par tout ce qui est matériel et le bien-être immédiat, que Jésus veut attirer notre attention. Pourquoi? Mais parce que notre aujourd'hui, c'est-à-dire notre comportement de chaque instant, les petites choses de la vie, c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Entendons bien l'évangile de ce jour, quand Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce que vous avez fait, les événements les plus quotidiens, les plus banals, les plus ordinaires de la vie, tous ces petits faits et gestes qui passent inaperçus, qui semblent insignifiants, un verre d'eau, une tranche de pain, une visite, un coup de pouce, un petit mot gentil. Bien sûr, devant les grands drames humains, les catastrophes planétaires, nous nous sentons bien petits et impuissants. Ces détresses nous dépassent, sont démesurées par rapport à nos petits moyens. Dieu le sait et il ne nous rend pas responsables. Pour autant, il ne nous dispense pas de réagir à notre niveau, chacun selon nos possibilités et nos disponibilités. Ce que Dieu n'accepte pas, c'est l'indifférence, le laisser faire aux détresses qui sont à notre porte. Un sourire refusé, un regard fuyant, une main qui se referme, une parole qui décourage, c'est la deuxième partie de l'évangile, ce que vous n'avez pas fait. Au contraire, Dieu nous montre que c'est la multiplicité de nos petits gestes, 100 fois, 1000 fois répétés, chaque jour, qui rendra le monde meilleur, fera fleurir la paix, éteindra les foyers de violence, guérira les blessures et créera du bonheur. Une nouvelle fois, nous entendons la voix du Christ qui dit « Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut faire sa volonté. » La foi n'est pas mystique, elle est incarnée. Le pape François disait dernièrement, dans un commentaire, « Notre prière trouve son aboutissement
à nos frères en difficulté. Quand on demande « Où est Dieu ?» un saint Vincent de Paul ou une sœur Emmanuel répondait en le voyant « Il est là dans l'affamé, l'assoiffé, le malade, le prisonnier, l'étranger, le pauvre sans vêtements. Quiconque croit que Dieu est amour doit chercher à faire de sa vie une vie d'amour. Quelle que soit notre religion ou notre incroyance, Dieu vient vers nous à travers ces petits auxquels il s'identifie et qui sont le visage de tous les humains, que nous croisons, riches ou pauvres, qui nous demandent qu'on les traite avec dignité et respect. Le récit de Matthieu ne nous renvoie pas simplement à nos frères et sœurs de la communauté chrétienne, mais à tous les humains, quels qu'ils soient et d'où qu'ils soient. Bien sûr, la société prend en main bien des misères à travers un réseau d'œuvres sociales payées par l'État. C'est à cela aussi que servent les taxes et les impôts auxquels il nous faut contribuer. D'autre part, il y a tous ces bénévoles dans les associations caritatives qui, avec beaucoup de dévouement et de générosité, font un travail remarquable et qui fonctionne grâce à nos dons. Mais il restera toujours l'irréductible rencontre d'autrui, cet autrui anonyme qui tend la main, ou cet autrui familier qui dérange ma vie, comme cette femme qui m'a arrêté l'autre jour dans la rue en me disant « Je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Pouvez-vous m'aider ?» J'ai beaucoup insisté sur la nécessité de donner, de venir en aide. Je voudrais ajouter, pour l'avoir souvent vécu, que le don n'est jamais à sens unique. Celui qui donne reçoit en retour. Cela peut être un sourire, un regard qui s'illumine, ou un mot de remerciement. Parfois plus, lorsque celui ou celle qui a été secouru va à son tour secourir un autre. C'est la contagion de la charité. Ne croyons pas que les pauvres nous sont redevables de notre générosité. C'est nous qui leur sommes redevables. Nous leur apportons peut-être une aide matérielle, mais eux font de nous des hommes et des femmes meilleurs, plus humains. Les chemins de Dieu passent par nos chemins et par les chemins de ceux dont il est dit dans l'Évangile de ce jour « Venez des bénis de mon Père ». Soyons aussi une bénédiction les uns pour les autres. Ainsi nous serons comblés de joie et de bonheur déjà dans notre vie présente. Le royaume de Dieu, c'est le monde transformé où il n'y a plus d'affamés, d'étrangers, de malheureux, parce que l'amour est roi. Amen. Thank you.
proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume de Dieu s'édifie dès maintenant, jusqu'au jour où Dieu sera tout en tous. Que notre prière nous tourne vers sa venue.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Béni sois-tu, Dieu notre Père, d'avoir reçu de nos mains ce pain et ce vin, fait de grains et de grappes autrefois disséminés. Les voici rassemblés sur cet autel, ainsi les quatre points cardinaux, le Christ, notre roi et notre sauveur, rassemble l'Église dans la justice et la miséricorde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et mangez-en tous.
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous appelles à reconnaître, jusque dans le plus petit des hommes, un reflet du visage de ton Fils. Inspire-nous des paroles et des actes de justice et de solidarité, et nous pourrons recevoir en héritage le royaume que tu as préparé pour nous depuis la création du monde, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous refermons le livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que vienne le règne du Christ pour le bonheur des hommes. Amen. Que progresse la vérité de l'Évangile pour la joie de l'humanité. Amen. Que nous transforme la grâce du Christ pour le salut du monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À notre baptême, nous avons été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Exerçons notre royauté à la suite du Christ serviteur, en nous rendant proches parmi les uns les autres, et tout particulièrement envers ceux qui nous attendent pour que nous témoignions de notre foi et de notre espérance. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis à dimanche prochain. Prenez soin de vous.